Salut à tous, c'est Coconut31, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos différentes consoles PlayStation n'ont pas de soucis. Si jamais c'est le cas, cette vidéo est faite pour vous. Donc, je vous invite tout d'abord à aller sur le site officiel PlayStation en cas de problème. Vous allez souvent trouver toutes les réponses là-dedans. Donc, tout d'abord, allez sur www.playstation.com/fr-fr ou sinon, vous pouvez taper directement fr.playstation.com. Vous tomberez sur cette page-là et ensuite je vous invite à aller sur l'onglet Obtenir de l'aide. Alors, en fonction des problèmes que vous avez, vous aurez par exemple pu avoir un code d'erreur. La plupart des consoles, enfin toutes les consoles PlayStation sauf les plus anciennes, fournissent un code d'erreur en cas de problème. Donc, je vous invite à cliquer ici et à rentrer le code d'erreur qui correspond à votre problème. Admettons que vous avez le code erreur comme il y a écrit en numéro 1 801 304D. Vous faites rechercher et là vous allez avoir le code erreur en particulier. Donc ça c'est assez pratique, ça vous permettra de trouver rapidement une solution. Ensuite, vous retournez sur Obtenir de l'aide. Vous pouvez aussi afficher la foire aux questions officiel PlayStation. Donc ça, c'est des questions qui sont souvent remontées à PlayStation et vous avez directement les 15 premières réponses, enfin questions ici, et vous avez différentes pages. Admettons vous avez un problème pour admettons, télécharger des achats sur une PS4, vous cliquez dessus et là vous avez toute une marche à suivre qui vous permettra de résoudre votre problème. Donc ça peut être intéressant. Si vous ne trouvez pas votre solution, admettons que vous avez un problème du lecture de disque, sur la PS4, vous tapez lecture de disque PS4, vous faites entrée, et là, vous avez différentes réponses. Vous choisissez la plateforme PS4. Et voilà, donc là vous avez dit toutes les réponses relatives à la PS4 et aux lectures de disques. Ensuite, vous pouvez aussi obtenir de l'aide avec le service en ligne. Admettons que vous avez un souci avec votre PlayStation 4, donc vous allez sur cette image, vous cliquez et vous vous laissez guider. Vous avez un problème sur la console en elle-même? Ok, vous cliquez là, vous allez regarder sur la console et vous taperez uniquement les numéros du numéro de série sans mettre les différents tirets. Vous tapez ça ici et vous suivez la suite des étapes. Imaginons que vous avez un problème sur votre manette. Vous cliquez sur la manette et vous tapez pareil, la même chose, les différents caractères qui se trouvent au niveau du code barre. Ici, et ensuite vous allez pouvoir cliquer sur envoyer. Imaginons par contre que votre problème c'est que le code qui est écrit au dos de la manette est illisible à cause de l'usure. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appeler le service client PlayStation français, si vous êtes français, au 01 70 70 07 78. Une fois que vous les appellerez, vous pourrez leur expliquer en détail votre souci. La plupart du temps, ils vous auront une bonne réponse. Mais sachez que ce numéro est à utiliser en cas de dernier recours, hein. Ne les appelez pas en cas de souci sans avoir visité les différents sites que je vais vous présenter. Donc ça c'est vraiment à garder sous le coude, mais en cas de dernière nécessité. Si vous êtes belge, suisse, canadien ou autre francophone, vous trouverez le numéro dans le manuel d'un des jeux ou dans la boîte de la PS4 ou la PS3 ou l'autre console que vous avez. Ensuite, vous pouvez donc obtenir de l'aide par la communauté PlayStation. Donc si vous cliquez ici, vous arriverez sur cette page. Je vous invite à cliquer sur Obtenir de l'aide. Et là, vous allez avoir les 5 conversations les plus populaires dans l'assistance, ou alors les différents systèmes d'aide. Admettons que vous avez un problème sur la PS4, vous cliquez sur Assistance PS4. Et là, vous avez différents sujets. Les sujets épinglés sont des sujets qui sont créés la plupart du temps par PlayStation
et ils sont importants à lire en cas de souci. D'abord, lisez cela et ensuite, vous pourrez basculer sur les questions posées par les différents utilisateurs. Si jamais vous ne trouvez pas votre réponse, au moins dans ces pages-là, cliquez ici et tapez, admettons que vous avez un souci de problème de manette, problème de manette sur la PS4. Vous faites voir tous les résultats. Ça va charger. Et là, vous allez obtenir tous les sujets qui parlent de manette et de PS4. Donc ça peut toujours être très utile. Donc le forum PlayStation, vous pourrez parler donc principalement à des utilisateurs comme vous qui ont des soucis ou même d'autres personnes qui ont des réponses à vous donner. Donc n'hésitez pas à aller là, ils vous feront, ils vous feront un plaisir de vous répondre. Ensuite, je vous invite à aller sur le compte Twitter PlayStation, c'est @PlayStationFR. Et là, vous pourrez leur poser des questions. Donc, vous cliquez sur le bouton tweeter. Et là, vous avez déjà @PlayStationFR qui est écrit. Et vous tapez votre question. Et là, vous aurez une réponse. Ensuite, je vous invite à aller sur le site Facebook, enfin la page Facebook PlayStation France. Donc, vous tapez PlayStation France comme ici sur Facebook et vous tomberez sur cette page-là. Si vous avez un problème, vous pouvez aussi avoir de l'aide ici. En effet, on a différentes personnes qui ont posé des questions. Et admettons ici, là, il y a Edem qui a eu un problème et PlayStation France lui a répondu. Donc, voici les différentes solutions pour trouver de l'aide sur les différentes consoles PlayStation. Sachez aussi que sur la PS4, dans la rubrique des paramètres, la toute première ligne, vous aurez accès au manuel de la console. Ça peut aussi vous aider. Donc j'espère que cette aide vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en poser dans les commentaires aussi. Je peux aussi vous répondre. Je suis là pour ça. N'hésitez pas donc à aller faire un tour sur les comptes Twitter, Facebook ou sur le forum PlayStation. Et en cas de dernier recours, je dis bien en cas de dernier recours, contactez le service client au 01 70 70 07 78. Voilà. Allez, passez une bonne journée et amusez-vous bien.